Tina, ça va, Tina, la petite lionne de 3 semaines, vient de se réveiller. La nouvelle pensionnaire de Rémi Demande vit pour le moment dans sa chambre, dans un lit pour bébé. Allez, hop. Ça c'est pour les griffes. Parce que ça dégriffe comme des aiguilles. Hein. Donc ça s'accroche bien. Allez, on va aller au biberon. Tu viens? C'est un dresseur qui travaille avec le Puits du Fou qui lui a confié le bébé lion contre bon soin. Alors c'est un biberon toutes les 3 heures, jour et nuit, pendant 2 mois. Les premières semaines sont importantes pour habituer le fauve à l'homme. La prégnation, donc c'est ça, hein, c'est lui donner le biberon, la caresser, la désensibiliser, la caresser partout, pour qu'après, plus tard, adulte, on puisse la manipuler, la toucher partout, quoi. Dans 6 mois, Tina pourra rejoindre les autres fauves, tous élevés au biberon. Sur la propriété de l'éleveur, 5 tigres et tigresses, un lion, une lionne, lui seul peut les approcher avec vigilance. Pour eux, tuer est un jeu. Faut jamais leur tourner le dos, faut toujours les surveiller. Vous voyez, comme là, bon, celle qui est là, elle est très mignonne, mais bon, il y a toujours l'instinct sauvage qui est présent, et puis elle peut avoir envie d'un seul coup de sauter, vous voyez, comme ça. À son niveau, l'éleveur essaye de protéger ses animaux en voie d'extinction. Il reste plus qu'à peu près 4000 tigres en liberté quand même, alors qu'en 1900, il y en avait 100 000. Et chaque jour, il y a au moins 2 tigres qui disparaissent, tués par les braconniers, pour récupérer la peau, les os, les organes, pour fabriquer des produits pharmaceutiques complètement douteux à vendre en Chine. Ça veut dire que donc, dans 15 ans, les tigres en liberté, ben, il n'y en aura pratiquement plus, peut-être plus du tout. En 26 ans, Rémi Demande a eu 40 naissances de fauves. Il en a gardé certains et a placé les autres dans des parcs animaliers, principalement en Europe. Une passion qui a un prix. L'éleveur ne prend pas de vacances pour s'occuper de ses grands félins au quotidien.